Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage avec les chemins de Qumran. C'est pour aller à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Donc on va se servir des cartes questions, des cartes obstacles et des cartes ressources. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire plusieurs tirages. On va peut-être déjà en faire deux, parce que ça peut prendre un peu de temps si on s'appuie aussi avec le bouquin. Donc là, je mélange. Hop, là il y a plus de cartes dans les obstacles. Voilà, alors on va faire un premier tirage, donc vous écouterez bien et vous verrez en fonction si c'est premier tirage, deuxième tirage ou troisième tirage. Si j'en fais trois, on verra. Donc j'ai mélangé. Donc pour le premier tirage, on va prendre la question que vous vous posez, les obstacles, je pousse un petit peu, et la ressource. Alors, la question qu'on vous demande est comment tu te sens. Donc, à l'heure actuelle, si vous deviez faire un petit bilan sur vous, qu'est-ce que vous diriez par rapport à cette question? On va y revenir, hein. Les obstacles que vous rencontrez actuellement sont votre manque de foi. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir travailler. Mais on va regarder un petit peu le bouquin. Pardon. Et ensuite, la ressource que vous avez et qui est très bien, c'est le lâcher prise. Donc ça déjà, c'est super. Vous avez déjà la ressource de pouvoir lâcher prise. Donc comment tu te sens? Donc à mon avis, bah, vous ne devez pas vous sentir bien puisqu'il y a quand même le manque de foi. C'est vrai que quand on ne se sent pas bien, on a tendance à se laisser aller, à se dire bon bah écoute, on se résigne, voilà. Donc on va regarder quand même avec le bouquin comment tu te sens. Alors, comment te sens-tu? 45. Donc, comme ça au moins c'est un petit peu plus détaillé. Donc avec cette carte-ci. Donc, comment te sens-tu? Donc, on note notre ressenti global de l'émotion, que ce soit physique ou autre. Parfois, vous pouvez peut-être vous sentir piégé dans des obsessions ou des analyses mentales sans fin, dans des ruminations, alors qu'il suffirait que vous vous écoutiez pour écouter aussi votre corps qui vous dit que vous êtes fatigué. Ensuite, on vous dit, avec cette carte, c'est peut-être l'occasion de vous apercevoir que vous allez bien. Parfois, ça peut arriver, on pense avoir un problème, mais en fait, tout est pour le mieux. Si vous vous écoutez et que vous prenez en compte votre ressenti et vos émotions, vous vous rendrez peut-être compte que tout va bien, que vous êtes en train de ruminer pour rien, parce que c'est juste une mauvaise habitude, tout simplement. Pardon. C'est vrai que parfois, j'avalais de travers. Pardon. C'est vrai que parfois, on rumine, à force de ruminer, comme on n'est pas dans une bonne énergie, ben, on devient négatif et du coup, ben, on n'est pas bien toute la journée. Donc peut-être qu'il serait temps d'analyser pourquoi on est dans cette situation, pourquoi on ne se sent pas bien. Et peut-être de travailler justement sur ces sensations où on ne se sent pas bien. Parce que comme le dit la carte, finalement, au fond de vous, tout va bien. Donc ça, c'était pour le premier tirage. Donc je la remets dessous. Hop. Ensuite, on a par rapport à votre comportement, on a le manque de foi. Alors on va regarder. Je ne sais pas en fait si c'est... Je vais quand même regarder. Ah mais oui. Alors. C'est ça. Donc, l'obstacle que vous rencontrez dans votre vie est donc le manque de foi. Donc, ce comportement est très proche. Nanana, attendez, je regarde en gros. Donc voilà, puisque nous sommes tous créateurs de notre vie, lorsque nous émettons des attentions dans l'univers, c'est la foi que nous avons en Dieu, en la vie, en nous-mêmes et en les autres, qui va permettre que ce rêve se réalise de manière certaine. Avoir la foi, c'est considérer ce que l'on a demandé et qui est déjà réalisé.
C'est être tellement sûr de notre valeur et de ce que Dieu fait pour nous qu'il n'y a pas d'espace en nous pour douter de la réalisation de notre intention ou de notre rêve. En fait, c'est ça. Quand vous faites une intention, il faut toujours faire votre intention comme si elle était déjà réalisée. Il ne faut pas dire « je voudrais que ». C'est, je vous donne un exemple. Admettons, une personne veut faire une formation pour devenir médecin. Enfin, c'est un exemple, hein. Elle ne va pas dire « je veux une formation pour devenir médecin ». Elle va dire « j'ai ma formation et je suis médecin ». Vous voyez, elle va le formuler comme si c'était déjà acquis. Mais c'est une demande que vous faites à l'univers. Et l'univers, il va raisonner de façon positive et il va vous répondre en accordant cette formation. Donc on vous dit, si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il reste des doutes en vous, des espaces où la foi n'a pas encore été réalisée. Je vous invite donc à prendre conscience du doute qui vous habite au quotidien, à voir à quel moment vous doutez et à vous pardonner pour cela. Dites-vous bien qu'il n'y a pas de foi sans doute. Celui-ci est là pour vous montrer les endroits en vous où vous avez la foi à découvrir. En accueillant ce doute, vous permettez à la foi de se révéler petit à petit à cet endroit-là. L'être humain est fondamentalement un être de foi. Donc voilà, vous allez retravailler sur la foi. Donc pour ce premier tirage, je vais reprendre ma carte du dessous. Voilà, qu'on se rappelle un petit peu. Et ensuite, on termine avec donc, ce que vous avez déjà acquis, qui est le lâcher prise. Voilà, on l'a là. Donc ça, c'est votre ressource que vous avez en vous. Donc, on va regarder. Cette ressource vous invite donc à demander l'aide de l'univers pour lâcher prise lorsque vous sentez que vous réagissez. Elle vous incite également à cultiver cette attitude de manière générale. En prenant soin de vos blessures, en élargissant le champ de vos croyances afin d'acquérir plus d'ouverture d'esprit. Votre conscience du monde, votre sentiment d'appartenance à un grand tout, votre spiritualité peuvent vous aider en conscience sur ce chemin du lâcher-prise. Donc, pour ce premier tirage, on vous dit bien, de vous poser la question, à savoir comment tu vas. Est-ce que c'est vrai que tu ne te sens pas bien? Si c'est le cas, si tu ne te sens pas bien, tu vas écrire sur une feuille pourquoi tu ne te sens pas bien et tu vas voir s'il y a la possibilité de résoudre ce problème. Si tu te sens bien, tu n'as pas besoin de retravailler là-dessus. Ensuite, on vous dit que les obstacles dans votre vie pour l'instant sont aussi le manque de foi. Donc, il faut retravailler cette foi. Et pour retravailler cette foi, il faut simplement formuler vos demandes à l'univers de façon régulière, être aussi dans la gratitude et surtout demander des petites choses toutes simples mais comme si elles étaient déjà réalisées et vous verrez que ça va se réaliser et vous allez retrouver votre foi. Ensuite, ce que vous avez acquis et votre plus belle ressource est le lâcher prise. Par contre, il est important de ne pas laisser partir cette ressource. Il faut continuer à la travailler. Le lâcher prise, c'est un travail quotidien. Donc, on ne se relâche pas, mais on continue à lâcher prise. Donc, ça, c'était pour le tirage numéro 1. Donc, on va passer au deuxième tirage. Je vais remélanger. Comme ça, au moins, on est sûr. Hop. Voilà. Je trouvais un petit peu sympa de reprendre cet oracle que j'aime beaucoup mais que j'utilise pas assez. Alors, pour ce deuxième tirage, attends, on regardera après la question. Je regarde si j'ai qu'une carte. Voilà, c'est ce qui me semblait, j'ai senti que c'était gros. Voilà. Donc, pour ce deuxième tirage, nous avons comme question: quelle réalité fuis-tu? Il y a quelque chose dans ta vie que tu te refuses peut-être d'affronter, que tu mets de côté, que tu tournes le dos. Donc, tu fuis quelque chose, qu'est-ce que c'est? On va y mettre ici. Ensuite, les obstacles. Je suis mort.
pas dans le sens mort du corps, hein. On va voir pour avec le bouquin ce qu'elle vous explique. Parce que je veux pas m'avancer et dire n'importe quoi. Donc votre ressource, c'est quand même le discernement et la clairvoyance. Donc, il y a quelque chose à faire avec ça, parce que la clairvoyance, voilà, elle va aussi avec les autres cartes. Les deux là, je parle, hein. Donc là, on est dans... Alors, quelle réalité fuis-tu ? C'est celle-ci. Donc, pour le deuxième tirage, on vous dit, quelle réalité fuis-tu ? En tant qu'être humain, il y a des réalités que l'on n'aime pas, parce qu'elles nous forceraient à remettre en cause beaucoup de choses concernant notre représentation du monde, ou celle que nous avons de nous-mêmes. En effet, si nous nous croyons comme quelqu'un de généreux, d'ouvert, et qu'un événement nous amène à voir la partie de notre être qui n'est pas du tout altruiste, nous allons avoir tendance à nier cette réalité. Cela est dû au fonctionnement naturel de l'ego, qui va préférer se réfugier dans l'illusion. Or, celui-ci peut être très destructif, comme s'il a été parfois nécessaire. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a vécu une enfance très difficile, pendant laquelle il a eu envie de tuer son père. Si par ailleurs cette personne n'est quelqu'un plutôt de respectueux, cette personne est quelqu'un de plutôt respectueux des autres, avec un sens de l'empathie et de l'amour, cela ne lui plaira pas de se voir comme un tueur potentiel. Il va donc enfuir ses envies de meurtre dans un coin et de son être et continuer à croire, décidément, qu'il est profondément altruiste. Ce qui sera vrai à 90%. Mais les 10% qui sont restés 30 ans en arrière à vouloir tuer son père empêchent en partie l'ouverture de son cœur qui bloque son chemin. Il semble donc nécessaire de vous occuper de cette partie, en vous et de vous mettre en paix avec elle afin de pouvoir continuer d'avancer sur votre chemin de réalisation. Ça, c'est un petit peu comme des barrières que l'on va se mettre, qu'on va pas vouloir franchir de peur. Ben, c'est ça, on va fuir la réalité. Et ben, cette barrière, elle sera toujours là et elle nous empêchera d'avancer. On vous dit, cette carte vous invite donc, plutôt que de fuir ce qui vous met face à une partie de vous que vous n'aimez pas, à regarder l'événement que vous êtes en train de nier et à le considérer comme une clé d'évolution primordiale à un instant T. Allez visiter la dimension sombre de votre être tout en veillant bien à rester dans l'amour de vous. Il ne s'agit pas de vous flageller. Donc maintenant, je comprends mieux pourquoi on a la carte « Je suis mort ». Pour vous, il y a vraiment quelque chose, une situation, voilà, on a donné un exemple, mais vous le savez au fond de vous, une situation qui vous fait peur parce qu'elle vous montre une part de vous-même que vous n'appréciez pas, et c'est ce qui, pour moi, je pense, fait que vous avez l'impression que votre être est mort. Donc ça... Ce travail-là de cette réalité que tu fuis, comme on l'a dit dans la description de la carte, il va falloir l'affronter, il va falloir la travailler et se dire que bah, de toute manière, fuir la réalité ne règle pas le problème. Le problème, il sera toujours là. Donc, vaut mieux l'affronter une bonne fois pour toutes et se dire « Waouh, ça y est, j'ai fui pendant des années et résultat, j'ai guéri, je ne fuis plus ». Je m'accepte et je travaille ceci. Ensuite, on a la carte « Je suis mort ». Alors, je pense que c'est celle qui est là. C'est celle-ci. Alors, par contre, elle est longue, mais il faut quand même que je la lise pour que vous puissiez comprendre quand même le sens. Alors, cette carte peut paraître un peu surprenante. Je regarde juste un truc que ma bougie... Voilà, là, il ne peut pas me cramer mon petit tapis. Hop, voilà, on y repart. En effet, de manière consciente, c'est une croyance qu'il est difficile d'identifier pour soi. Pour la plupart, nous nous pensons vivants et il ne nous viendrait pas à l'idée que nous puissions être morts. Or, il est très fréquent... Mais j'arrive plus à parler, moi. Il est très fréquent de retrouver cette programmation dans une partie de notre être, et notamment au niveau cellulaire, c'est-à-dire
physique dans le corps. Si l'on prend l'exemple de quelqu'un qui a une maladie grave dans son enfance et qui, à un moment donné, a rencontré sa mort, ce qui arrive souvent avec les NDE-EMI, même si cette personne est revenue de ce voyage, une partie de son être a pu rester dans cette expérience et se croire morte. Elle ne reviendra alors pas complètement dans sa vie. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre conscience que vous êtes vivant, que ce que vous souhaitez, que c'est ce que vous souhaitez, on va y arriver, hein, à vous sentir vivant et à vous imprégner dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos organes. Prenez vraiment le temps de sentir la vie se répandre partout en vous, le plus loin possible dans vos émotions, dans votre âme, dans votre corps, afin de ne pas rester dans un entre-deux. Et pour pouvoir le faire, il y a une affirmation que vous pouvez dire et vous répéter autant que nécessaire, c'est « Je suis vivant ». Pour moi, je signe et je persiste que la réalité que vous êtes en train de fuir, c'est ça qui fait que vous avez la pression de vous sentir non vivant. Donc si vous travaillez bien sur celle-ci, celle-ci sera travaillée aussi. Ça fait que les deux seront travaillés ensemble. Quelle réalité fuis-tu ? Et je suis mort. Ensuite, on a le discernement. Donc le discernement à la 111. 111, c'est celle-ci. Hop. Donc la voici. On vous dit. Dès que nous entrons sur un chemin de vérité, la volonté de réaliser ce que nous sommes, de quitter l'illusion, d'abandonner les fuites, alors nous découvrons à quel point tout est relatif. Le blanc et le noir n'existent pas. Une chose peut être à la fois bonne et toxique pour nous. Dès lors, comment se repérer ? Pour identifier, trier et trancher, nous avons besoin d'un cadre de référence. Ainsi, si le sens profond de notre vie est l'autre, alors nous épuiser pour le bien de l'autre sera bon pour nous. Si, en revanche, le sens profond de notre vie est notre réalisation, alors la même chose deviendra potentiellement toxique, car elle nous privera de l'énergie dont nous aurons besoin pour nous réaliser. Notons que ce référentiel évolue avec nous dans notre vie. Nous sommes parfois amenés à changer de sens profond, car nos besoins se transforment. Cette carte vous apporte une aide afin d'identifier et de trier ce qui est bon pour vous et qui ne l'est pas. Discerner n'est pas juger, mais voir une réalité dans un certain angle ou sous plusieurs angles à la fois. Cette carte vous invite à quitter les aveuglements, les illusions qui tentent à vous montrer les choses sous un seul angle, celui qui prétend prendre soin de nous, mais qui en réalité vous arrange parce qu'il vous aide à maintenir des schémas archaïques rassurants. Vos ressentis, votre perception, eux savent que cela n'est pas juste pour vous. Demandez à l'univers de vous aider à voir la réalité en vous ouvrant d'autres portes de perception. Écoutez, je pense que les trois cartes, elles vont vraiment bien ensemble. C'est vraiment, là il y a un gros blocage dans ce deuxième tirage qu'il va falloir vraiment travailler. Et vous verrez que si vous faites ce qu'on vous conseille dans ces trois cartes, donc qu'est-ce que vous êtes en train de fuir, il faut la travailler, cette fuite, ce que vous avez peur, cette peur on va dire, c'est pas, voilà, pour que vous puissiez vous sentir vivant, parce que vous êtes vivant, vous ne pouvez pas rester dans ce schéma de fuite tout le temps, c'est pas possible. Donc il faut vraiment travailler ceci. Et justement, vous avez la chance d'avoir le discernement et la clairvoyance. Donc avec ceci, vous allez pouvoir réfléchir et réaliser ce qui est bon et ce qui n'est plus bon pour vous. Je le répète souvent, mais parfois, il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi. Il y a des peurs qui remontent et tant qu'on ne les aura pas travaillées, on va les fuir, soit on va faire style, on ne les voit pas, mais de temps en temps, on a un petit rappel à l'ordre parce qu'on y pense. Donc ça ne sert à rien. Autant affronter une bonne fois pour toutes
pour se sentir vivant. Après tout, on ne vit qu'une fois. Donc ça sert à rien de rester dans une vie où on se sent pas bien. Autant affronter les choses. Et en plus, voilà, vous avez cette carte qui est très bien, c'est le discernement qui va vous aider énormément. Donc ça, c'est pour le deuxième tirage. Et je voulais en faire un troisième au cas où. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça parlera bien à tout le monde. Vous avez vraiment la possibilité, hop, de choisir parmi les trois tirages. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je mettrai en barre d'infos le nombre de minutes par rapport au tirage. Mais bon, des fois, c'est bien d'écouter les trois pour savoir lequel nous parle le plus. Mais j'allais retourner. Donc, la question que vous vous posez, de quoi as-tu peur? Donc, on voit bien, on voit le derrière d'un corps humain avec une barre dans le dos, avec un cadenas. Les obstacles, le manque de confiance. Donc c'est ça, l'image elle est représentée, on voit à peine le visage de la personne. Pourquoi? Parce qu'elle se sent effacée, d'où par son manque de confiance. Ensuite on a la carte ressources, qui est l'action. Voilà. Donc on va regarder pour ce dernier tirage. Donc, de quoi as-tu peur? C'est la carte 22. Voilà. Donc, elle est ici. Voilà. Donc, la peur est l'un des grands ennemis de la nature humaine. C'est également la première cause de souffrance de l'ego. En effet, la seule réalité de l'ego, c'est de croire qu'il existe. Ainsi, tout événement extérieur qui viendrait contrer cette croyance devient potentiellement dangereuse. C'est pourquoi l'ego vit dans la peur en permanence. Peur qu'on vienne le détruire ou qu'on nie son existence. Moi, je sais que franchement, j'aime pas ce mot-là, mais bon, il faut pas le nier. Voilà, c'est comme ça. Donc, cette carte vous indique qu'une peur est sans doute en train de vous bloquer à ce stade de votre problématique. Elle vous invite donc à identifier de quelle peur il s'agit. Peur de souffrir, de perdre, de mourir, de la maladie. En général, une fois qu'une peur est surmontée, accueillie, nommée, identifiée, elle disparaît rapidement et on peut alors passer à autre chose, parce que l'ego est démasqué. Le simple fait de prendre conscience de votre peur peut suffire à vous faire passer à l'étape suivante. Donc ça, il faudra vraiment que vous travailliez sur la peur ou les peurs que vous avez. Comme d'habitude, moi je conseille toujours d'écrire les peurs sur un cahier, vous faites des petites colonnes, et vous regardez ensuite qu'est-ce qui pourrait faire que ces peurs disparaissent. Donc ça, c'est un travail qu'il faudra faire. Ensuite, on a le manque de confiance. Alors, j'en suis là, voilà. Donc, c'est les obstacles. Donc, vous, les obstacles dans votre vie, c'est que vous vous effacez par manque de confiance. Hop. Alors, du point de vue de l'énergie universelle, nous sommes tous créateurs de notre vie. À tout moment, nous pouvons émettre des intentions dans l'univers et c'est la confiance, la foi que nous avons en Dieu, en la vie, en nous-mêmes et en les autres, qui va permettre que ce rêve se réalise de manière certaine. Avoir confiance en nos rêves, c'est leur accorder du crédit, de la valeur, c'est s'abandonner à ce quoi on croit. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il y a un manque de confiance certain dans votre vie. Je vous invite donc à l'identifier à l'aide des questions suivantes. Avez-vous confiance en vous? En les autres, en la vie, en l'amour, en Dieu. Donnez-vous ensuite les moyens de reconstruire une image positive de ce que vous avez trouvé, de façon à restaurer la confiance là où elle faisait défaut. Alors moi, ce que je peux vous faire faire comme exercice, c'est le tableau de visualisation. Vous pouvez faire un petit tableau en prenant une feuille. Et vous allez marquer tous les mots ou coller des images
qui reflète la confiance. Vous pouvez marquer « J'ai confiance en moi ». Je suis bien. Coller des images qui représentent la confiance et travailler sur ce tableau. Chaque jour, vous le mettez à côté de vous et vous travaillez ça pour justement travailler votre confiance. Et vous verrez que ça va grandement vous aider. Moi, je sais que je le fais, le tableau de visualisation avec mon carnet des vœux, hein, puisque dedans, on peut le faire. Et sincèrement, ça nous aide au quotidien. C'est comme à force de dire une phrase. Je donne un exemple. Oui, aujourd'hui, je vais bien, je suis heureuse. À force de le répéter, vous verrez que vous serez bien, que vous serez heureux. Donc, ça, c'est impératif, il faudra le faire. Donc, de quoi vous avez peur? Donc, identifier ces peurs. Reprendre confiance, comme tout à l'heure, hein, vous avez vu, les cartes, elles vont vraiment bien ensemble. Et ensuite, on termine avec la 98 qui est l'action. Alors, 98, la voilà. Alors, hop, on vous dit, la vie se place à chaque instant au service de nos besoins, de nos rêves profonds. Parfois, elle nous invite à lâcher prise et à recevoir ses bienfaits. À d'autres moments, en revanche, elle nous invite à nous positionner dans l'univers et cela passe par les actes. Agir, c'est exprimer son besoin au monde, c'est affirmer ce que l'on est en cet instant, c'est user de son pouvoir créateur pour prendre sa juste place. Mais la difficulté réside dans le tri à faire entre l'action issue de la volonté personnelle et l'action juste. Dans le premier cas, nous dépensons beaucoup d'énergie, souvent pour échouer ou pour obtenir que partiellement ce que l'on souhaite, ce qui peut provoquer des frustrations, de la colère, de l'insatisfaction et un sentiment d'impuissance. Dans le second cas, nous agissons en accord avec les mouvements de l'univers. Notre intention rencontre celle de Dieu et nous agissons de concert dans le sens de ce qui est juste pour le monde et pour nous-mêmes et pour les autres. L'action juste engendre la joie, le plaisir, la légèreté, la réussite et le bonheur. Cette carte ressource vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelle serait l'action juste en cet instant? Quelle est votre relation à l'action? Êtes-vous un être humain capable de prendre sa place dans le monde? Donc voilà, ça, le dernier tirage, c'est vraiment un tirage sur vous, hein. C'est vraiment quelque chose de profond. Donc, on va savoir travailler de quoi on a peur pour retrouver confiance en soi et ne plus être transparent. Et on vous dit l'action. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ces deux cartes que vous pouvez mettre en action pour justement travailler ceci? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces trois tirages vous ont fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on continue. On peut encore en faire, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Ça vous permettra de travailler vos peurs, les questions que vous avez en vous et donner des ressources aussi. Ça, c'est super bien. Donc, j'attends vos commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications pour suivre toutes mes vidéos. Je vous invite à partager aussi ma vidéo afin que je puisse être un petit peu plus visible sur YouTube. Je vous remercie d'avance et je vous fais des millions et millions de gros bisous.